automutilation. Tu sais cette chose dont tu as honte quand tu prononces son nom. Y'a pas de loi, y'a pas de règle dans son jeu de toute façon. Il suffit de se détester, tu connais la chanson. Ça part de rien, tu sors des coups, le cœur bien abîmé. Et dans ta tête, c'est la guerre, les problèmes font qu'empirer. Mais t'y penses pas, t'as pas le choix parce que personne n'est là. Et puis tu craques, tu fous en larmes et tu regardes tes bras. Seul dans ta chambre, assise dans l'ombre, tu ne cesses de pleurer. Tu penses à tout ce qu'on t'a fait depuis que t'es arrivé. T'as juste envie de tout virer et de tout balancer. Les prises au piège dans cet enfer, c'est toi que tu vas briser. Alors tu prends cette putain d'âme et tu traces le premier trait. Ça te fait mal mais tu t'en fous car tu te sens soulagé. À quoi ça sert de prier pour ces gens et de se mettre à genoux? Car ton cœur souffre mais c'est ton corps qui prend tous les coups. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Alors tu penses qu'il remplace tes cris. Oui, c'est ta meilleure amie. Personne ne t'entend hurler à chaque instant. Tu penses celle qui compte tes envies. Oui, c'est ta meilleure amie. Continuera tous les jours. Tu te prépares psychologiquement avant d'aller en cours. La peau qui brûle, les yeux qui piquent, la nuit a été dure. Tu caches dans ton armoire ton instrument de torture. Tu te maquilles et passes tes cernes pour paraître bien. Tu mets la dose de produit pour courir ton chagrin. Et face à la glace, tu t'entraînes à faire ton plus beau sourire pour que personne ne se doute que t'as juste envie de mourir. Tu sors de ton placard, le seul puis la manche longue que t'as. Tu dis des conneries à tes amis quand ils demandent pourquoi. La plupart du temps tu réponds que tu as beaucoup trop froid et que les blessures sur tes poignets proviennent de ton chat. Mais merde, pourquoi tu t'infliges autant de violence? Mais bordel, laisse-toi encore une deuxième chance. On dirait que ton corps a subi la seconde guerre mondiale. Arrête de te couper, je t'en supplie, pose-moi cette lame. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Alors tu penses qu'il remplace tes cris. Oui, c'est ta meilleure amie. Quand personne ne t'entend hurler à chaque instant. Tu penses celle qui compte tes envies. Oui, c'est ta meilleure amie. Sèche-moi tes larmes, écoute-moi. Tu vois, tu n'es pas seule. Y'a tous ces gens autour de toi et tous ceux qui le veulent, qui peuvent t'aider, qui seront toujours là pour t'épauler. Alors laisse cette âme, ce n'est pas elle qui va te sauver. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Alors tu penses celle qui détruit ta vie et t'appelle sa meilleure amie. Tu dis que personne ne t'entend. Retourne-toi sincèrement. Tu as beaucoup de vrais amis, mais ce n'est pas elle ta meilleure amie. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Alors tu prends ce qui détruit ta vie et t'appelles sa meilleure amie. Tu dis que personne ne t'entend. MDR les gens, je comprenais plus rien. Enfin donc une délétère m'a demandé pendant la vidéo. Enfin je suis choquée. Bientôt tu l'auras plus. Comment ça? Non mais la gueule de loser. Elle est trop petite. Elle a un an. Donc voilà les gens. Pourquoi j'aurais plus ma chaîne? Mais tu peux pas la pirater, hein, je te jure. C'est la plus simple. Grosse pute. Attendez les gens.
Ma chaîne. Pourquoi j'aurais plus ma chaîne? Lomrini. Bah tant pis. C'est pas une vraie délétade. Hein. C'est une personne qui... Le genre là, je suis en train de l'apprendre des trucs. C'est quelqu'un. Mon fou. Les gens, enfin, j'ai peur. Je vais te piracher. Bah, je t'en prie. C'est sûr que c'est une abonnée qui fait ça, hein, parce que... Enfin, une abonnée ou pas. Bonjour. Donc, Amy. En fait, il y a une pirateuse. Ok. La meuf là, elle a un hack. Bon, là, je commence à flipper. Il y a beaucoup de preuves que c'est une pirateuse. J'ai peur. Une pirateuse. J'ai trop peur, les gens. Là, en plus, tu as... Ah, bah, Amy, c'est toi. Ok. Amy, c'est toi. Moi là c'est plus drôle, Amy. Hein. Fausse réponse. C'est saoulant. Oui, mais Amy, est-ce que c'est toi? Attends. Peut-être. Les gens, j'ai peur. Peut-être. Bon, je crois que c'est mieux. Enfin, elle m'entend pas, je crois pas qu'elle m'entend. Tu pourrais avoir les vêtements. Non. Les gens, j'ai peur. Oh, sérieux, là. Je suis même pas chez Orange. La meuf, elle dit, voilà. Donc, je vais faire une partie 2 de cette meuf qui pue.